Hey Roxy Stars! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous allez adorer. C'est une vidéo Fashion Nova où on s'est choisi les mêmes tenues chacune afin d'être des jumelles quoi. T'es content? Si. Bah voilà quoi. je suis stressée les gars, j'aime pas les débardeurs en plus. Elle a choisi un débardeur, on a dit elle aime pas les débardeurs. Moi tu crois que j'aime les débardeurs en fait? Non mais j'avais un gilet, elle m'a dit de l'enlever. Ben, on est toutes les deux, c'est toi qui as choisi. On va commencer par moi, montrer le shopping. Et ensuite Ambre et Semou commencent par moi même parce que franchement. La tenue confort, c'est une tenue qu'elle, elle a choisie. Ouais. Et donc voilà, le reste j'ai pas encore vu et ça j'ai juste découvert. À chaque tenue, vous aurez les essais juste après. Du coup là-bas, c'est un petit débardeur. Oui, un débardeur noir. J'ai dit noir. Oui, c'est noir. Un petit débardeur avec un petit jean des vaches, quoi. Ouais. Représente. Vous allez voir dans les essayages tout de suite. Ça, c'est notre petite tenue de vachette. Hein. Ouais. Comme vous l'aimez, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je te jure, on dirait des Congolaises. Une jambe qui est vache. Un jour, on a dit, ouais, non, mais comme les tontines congolaises. Après, il y a des gens qui se sont dit, c'est quoi le problème avec les tontines congolaises? Si c'est votre style, c'est votre choix. Non, mais c'est... ça, c'est votre style, hein, ma gueule. Bah, franchement, c'est votre style. Voilà, petit pantalon vache. J'aime beaucoup. Hein. Ouais, j'aime trop. J'aime trop. Mais je sais pas, je vais mettre ça pour aller où, putain. Ah, je sais, je vais aller. Moi, je vais aller un peu bulber avec ça. Je vais aller manger des brochettes. Après, je vais me faire draguer à mort. Il y aura les Congolais qui vont kiffer l'ambiance. Là, c'est carré. C'est carré. Non, franchement, moi j'aime beaucoup ce petit jean. La longueur, elle est bien, elle est parfaite. Moi, je vais le couper un peu parce que vous connaissez déjà l'animal. Ouais, la longueur, elle est parfaite. Mais la longueur, je trouve qu'elle est parfaite. Le pantalon, il taille parfaitement. C'est du vrai jean. C'est pas les trucs élastiques, tout ça. Franchement, j'aime bien ce pantalon. J'aime trop. Il est trop stylé. Et voilà. Là, moi, franchement, j'ai pas été complète. J'ai pris que des trucs en fait. Ce qui me stresse, c'est à dire que là, dans toute la vidéo, on sera avec les capois. Ah, t'es chiant. Si tu veux, on change à la prochaine. Oh là là. Okay. Du coup, ouais, parce que moi, je suis mal, je suis comme ça. En fait, moi, j'ai pas pris d'accessoires, j'ai pas pris de chaussures, j'ai rien pris. En gros, j'ai pas pensé à ça et je vois que Ambre a un gros carton, elle a fait des tenues complètes, franchement. Non, mais de toute façon, il a peur du truc, ça nous va pas, donc t'inquiète. Oui, ça nous va pas, mais quand même. Oh my god! Ah. Ok. C'est une longue robe. Une longue robe. Rose bonbon. Côtelée. Hein. Côtelée. Donc en fait, t'as vu que je ressemble à un gros chewing-gum mâché. Donc voilà, vous allez voir dans les essais que je vais ressembler à un gros chewing-gum mâché. C'est la grosse pute. T'es une baisée, toi? Mais ça va être speed, ouais. Mais quelle couleur ça? Moi, je mets pas ça de haut en bas. Bah non. Elle est mal polie. Hein. C'est pour réfléchir dans la vie, ma gueule. Pas de haut en bas. Mais pourquoi, pourquoi? Soit le haut, soit le bas, mais pas de haut en bas. Mais pourquoi? Mais est-ce que. Elle ressemble à Boubou dans Dragon Ball Z, vous connaissez ou pas? Voilà, ça me spute, va. Ça te fait rire en plus? Déjà, je t'achète des vêtements. Trop de. Ta gueule! Elle en devient violente. Là, c'est pour qui? Pour toi. C'est des manières, je trouve. Hein. Ta gueule. Moi c'est pour ton bien, hein. J'en ai marre qu'elle soit tout à poil, j'ai pris une robe habillée. On ta gueule. Bon maintenant ça c'est pour qui s'il vous plaît? C'est pour Gombo frère, c'est juste tu vas le montrer dans la vidéo, après je ta gueule, ta gueule. Mais t'as dit oui. Oui mais là je te parle de la vidéo là, parce que à la base t'as pris ça pour moi. Maintenant ça c'est pour qui? C'est pour Gombo. Elle va juste te montrer dans la vidéo, après je vais récupérer, je vais partir avec. Et tu me prends pour l'ISO? C'est pour ma soeur. Attends, ça c'est pour mes cartes dans mon téléphone, il rentre pas je crois. Ça encore, je sais pas, ouais, j'ai tes écouteurs. Ouais. Elle va mettre ses écouteurs filaires. Peut-être mes clés. Pourquoi tu tiens? C'est fallait pas prendre des capois. Désolée de fallait me pas tenir. Prendre des capois. J'aime. Oh non. Franchement, je sais pas à quoi elle voulait que je ressemble en achetant ça. Mais vas-y, tranquille. On va voir. Je voulais que tu me ressembles en fait. Bon, c'est moins pire que ce que je pense. Bah, frère, toi t'abuses. Avec nos chewing-gums. Voilà. Moi j'aime beaucoup cette tenue. Hein. Après on peut pas vous montrer mais ça va jusqu'à mon pied. Voilà. C'est comme si mon pied. Ça va jusqu'à mon pied. Homme, ça te va où? Jusqu'à son pied. Ouais, presque à ma cheville. Mais toi c'est vraiment à ton pied. Ouais, putain. Non, moi c'est à mon pied. Mais je vais mettre avec des talons, ça sera speed. En plus en été ça serait mignon le soir. Ouais, moi je trouve que ça nous va bien au teint. Justement, je trouve que ça me va pas trop bien au teint. Moi ça me va trop bien au teint. Waouh. Donc j'aime beaucoup, ça va avec mes ongles aussi, j'ai toute la panoplie quoi, à un moment donné. Arrête de t'avancer parce qu'après moi je vais devenir toute noire. Tu veux pas être noire? Ta gueule. C'est quand je vais m'avancer après toi tu vas devenir toute noire. Mais toi on me voit plus en fait. Mais t'avances pas parce que je ne suis plus là. Aïe. Donc voilà, avec le petit sac l'ISO. Je comptais une haters hein. Bah c'est un petit sac, c'est bon quoi.
Donc là, je me sens comme... Vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram. Mon Instagram, c'est Farida Gramixo. En retiré du bas TBG. Peut-être que vous l'avez vu là-bas, parce que je l'ai déjà porté. J'aime bien cette petite tenue. Et les... En fait, c'est pourquoi c'est toi qui parle beaucoup, alors que c'est moi qui suis censée... La matière, elle est côtelée. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous allez bien voir, parce qu'on a acheté une nouvelle caméra. En fait, moi, cette tenue, c'est pas que je l'aime pas, parce que la robe, je la trouve trop jolie. Mais en fait, c'est la couleur qui me dérange. Mais en soi, la robe, je l'aime bien. Elle me va bien, voilà. Enfin, elle me va bien. Voilà quoi, c'est une robe moulante du bas, de haut en bas. Ça va, c'est pas grave. Mais c'est la couleur. Si elle était genre une couleur plus foncée, peut-être. Ouais, juste une couleur plus foncée. Même orange, je pense que j'aurais préféré. Moi, j'aime bien comme ça. Mais rose comme ça, je sais pas. Moi, je voulais cette couleur. Oui, je sais, on a compris. Non, je voulais cette couleur, je vais la mettre, les gars. on a compris que tu voulais cette couleur. Et le sac, par contre, moi, non. Donne pour ma soeur. Voilà, tiens pour ta soeur. Donc, un pour moi, un pour ma soeur. On va marcher comme ça avec nos petits sacs avec un AirPod, un AirPod. Donc, déjà, pas d'AirPod. Déjà, un AirPod et une couche. Déjà ta soeur. Est-ce qu'elle s'apprête dans la vie? Ben, elle va mettre CTN avec ça. Ah, ok, les gars. Sous le choix, après c'est, tout. C'est bon. Ça va lui faire une touche de couleur? Pourquoi tu la juges? En fait, je commence à un peu aimer. Je commence à apprécier. Je sais pas si c'est le jour. Non, ça te va bien longtemps et tout. T'es une hypocrite, toi. Je suis une hypocrite. Je suis sûre que ça te fait speed temps tout. Ok. Elle rate, hein. Dis-tu qu'elle rate parce qu'elle va rater de mettre cette robe avec moi. Après, on va marcher comme ça. Franchement, on va archi pas faire ça. Ah, ok. On est dans quel film là? Mais on va essayer, mais c'est un truc. Là. On va essayer un truc. C'est une haters. Moi, j'aime beaucoup. Ok, prochaine tenue. C'est ce pantalon et ce t-shirt. Attends, ça a l'air bien ça. Donc j'ai pris ce petit crop top qui fait très 70s. Ouais, en plus moi j'étais dans mes trucs et ben je voulais grave faire 70s et tout, mais je trouvais pas. Et moi je l'avais pas vu. Et trop bien. Avec le pantalon pour faire un petit look, tu mettras des petites lunettes de soleil marron que je n'ai pas pris. Et voilà quoi. Mais pourquoi t'as pas pris? T'es con. Je sais pas, c'est maintenant que j'y pense. Ouais, donc avec un gros jeans. Franchement, cette tenue elle a l'air bien. On va voir à l'essayage. Si je suis moi, je vais mourir. Tu vas pas mourir. Ça, c'est ma tenue préférée de mon shopping. J'aime beaucoup. C'est très mignon. Quand je vais mettre ça avec un petit afro et ce serait trop mignonne. Et tu vas ressembler à Funky Cops. Ouais, et mes petites lunettes marron carrées comme ça. J'aime trop. Il taille un peu grand, donc vous pouvez prendre franchement la taille en dessous. Genre le haut de base, il s'attache comme ça et c'est un petit crop top. Mais comme nous on est des prostituées, bah on le met. C'est elle m'a dit. Bah ma gueule, ça fait plus speed. Ouais. Genre on n'attache pas les boutons et là j'ai pas le soutif qui va avec, du coup on le voit. Mais en gros on attache ici et ça fait un bon petit haut de jeune quoi. J'aime beaucoup. C'est une vibe. Let's boogie, let's dance. Let's dance, yeah, yeah. Et voilà, le jean, il est super long, hein, par contre. Il est super long, donc si vous êtes petite comme moi, vous allez devoir passer en coup de ciseau. Moi, je vais le couper pour qu'il soit bien dans la taille. Moi, il est trop long. Et en bas, il est fendu. Hey, soulève ma jambe. Hey, voilà, il est fendu comme ça en bas. Et voilà. Il a failli me casser le dos. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup, hein, franchement, j'aime bien. Mais en fait, moi, le pantalon, il est juste un peu grand, alors que j'ai appris la taille en dessous. Il est, il y a de l'élastane dedans. Ouais. Du coup, franchement, il est grand, il taille un peu grand. Ouais. Mais pour moi, ça me va, c'est pas la fin du monde, genre. De toute façon, moi, le Fashion Nova, moi, je prends toujours la taille 18, alors que je fais la taille 20 normalement dans les autres magasins. Mais pour les pantalons, juste. Parce que sinon, tout le reste, c'est ma taille. Moi mes jeans sont toujours trop grands, donc c'est pas la fin du monde, juste là, voilà quoi, mais ça va, je trouve ça moi, va ça juste. Va, ça passe. Moi c'est la longueur qui m'énerve, mais si vous êtes grande, du coup ça va être carré pour vous, pas grande de ouf non plus, mais si vous avez une taille régulière, c'est bon. Moi juste, il est trop grand. Et voilà. Oh non. Ah mais merde, pourquoi j'ouvre Alors, ensuite il y a cette robe de chouinch. Alors, ah, il y a un truc en dessous. Ouais, il y a une doublure. Non, parce que je l'ai vu sur le site. Mais je l'ai pas appris parce que je croyais que c'était pour les chunks. Ouais, j'ai cru qu'il y avait rien en dessous. Et je crois que c'est une robe de plage, je crois. Bah oui, j'ai cru. Bah faut lire. Ah, il y avait marqué doublure. Bah non, mais j'ai regardé toutes les photos quoi. Ça se voyait qu'il y avait une doublure. Ah, moi j'ai pas vu qu'il y avait une doublure. Donc à un moment donné. Mais on dirait que j'ai bien aimé. Pourquoi non, ça j'aime bien. J'espère qu'elle va me coller au corps. Hein, parce que... Ou bien je suis. Elle est grosse. Trop grande. Je sais pas. Elle a pas l'air. Je sais pas. Moi j'ai pris elle, c'est sympa. Hein? Vous allez voir tout de suite dans les essais. Ouais. Du coup, voici la tenue d'après. Moi, j'aime trop cette robe. Je pense que si là, vous m'invitez à votre anniversaire, je vais être très sexy, très violente. J'aime beaucoup. Ouais, moi c'est. Eh Jay m'a puni. Franchement. Parce que ouais. Je voulais être une chouette. Jay m'a puni. Elle est comme toi.
Comme ça d'abord. Vendredi, c'est vendredi. Franchement, vendredi, cours de religion. Allez. Je trouve que ça me va bien, on dirait. Ouais. Non, ça me va bien. Des bonnes culs. Ouais, on dirait que j'ai des bonnes culs alors que. Waouh. Non, non. T'es si, pas ça va, oui. Ouais. Donc voilà. Attends, quand je vais faire des squats après. Tu as la machine là, ça. Arrête, c'est mort. Les manches, elles sont transparentes. Et après, ici, il y a une doublure bah, jusqu'en bas. Donc, c'est très speed et il y a ça. Là, il y a ça. Faire des trucs. Non, faudra couper. Franchement, cette tenue, j'aime beaucoup. C'est pour être très sexy et très violente le soir. Je te jure, on dirait. Tu vois là, on dirait que. Mais elle est bien. Oui, mais c'est pour ça que sur les photos, j'ai pas pris. Parce qu'on dirait que ça fait qu'un caleçon. Et après, c'est ça. Alors que la doublure, elle est jusqu'à ici. Bah oui, la doublure, elle est vraiment jusqu'en bas de la robe. Ouais, alors que là, j'ai l'impression qu'il y a juste une doublure de culotte, genre. Tu vois, genre un body. Même dans le dos, jusqu'en bas. Ouais. C'est génial. C'est ce que j'aime. De la doublure de cul. Donc, j'aime beaucoup. Dites-nous en commentaire si vous appréciez, comme nous, on apprécie nos petites tenues de jeunes, quoi. C'est bon? Ouais, j'aime bien. Prochaine tenue. Ça, j'aime bien ça. On va commencer par cette tenue. D'accord. Waouh! Franchement, j'aime bien, mais c'est beaucoup trop grand. Bah, j'ai pris ta taille. C'est plus ma taille, mais. Bah, tu m'as dit quoi? En plus, je t'ai dit. Franchement, je vais essayer, mais déjà, à première vue, j'aime bien ce petit De toute façon, c'est un peu oversize de base. Moi, je vais le couper, alors toi, tu vas garder le long? Bah, frère, on coupe les pulls. Je coupe tout, ma gueule. Donc, j'aime bien faire le. En bas? Alors, en bas, avec une jupe damier. Comme ça. Mais c'est bien. Oui, c'est cool. Mais ça a l'air petit, ça. Ah ouais, non. Okay. Avec une jupe damier, il n'y a pas de poches dans le cul, ça me dérange un peu, mais... Parce que quand il y a des poches dans le cul, ça grossit le cul. Mais j'aime bien. Voilà. C'est bien, c'est un petit style. Avec un petit sac rose. J'aime bien. C'est pour aller au bowling. Voilà, un petit sac bowling. Donc, j'aime bien. Mon petit problème que je ressens avant d'avoir essayé la tenue, c'est qu'il y a too much information. Pourquoi? Il y a trop de couleurs, frère. Bah, carrément, j'avais rajouté une autre couleur dans les chaussures. Ouais, c'est une craquette. Il y a Vlad. Bah, c'était ça, en fait c'est ça. Si ça s'accordait bien, ok, il y a trop de couleurs. Mais de toute façon, on attend les séances. Tu vois la paire? Waouh, mais là, genre, tu trouvais pas qu'il y avait trop d'informations? Non. Genre, quand tu regardes tout là. Ouais. En fait, je voulais faire un look, tu vois, très 90, genre. Non, mais c'est bien 90, mais quand tu regardes tout là. Non, je voulais beaucoup de couleurs. On dirait vraiment les tapis rouges des années 90. Non. Non. Si, c'est la mode. Mon pied, il va jamais rentrer dedans, donc vous verrez pas les CH. Clairement, vous verrez pas les CH. Allez, sur Vinted, parce que mon pied, il rentre pas dedans non plus. Alors que je suis même pas grosse. Genre, je suis pas une vraie white fit. C'est-à-dire que je peux mettre des chaussures. Normal. Moi je suis une vraie white fit. Non, elle c'est une vraie white fit, mais genre j'ai plein de chaussures, genre c'est pas white fit et ça me va, genre. Mais ça! Moi les gars, je suis white fit juste en regardant, je sais déjà que c'est pas bon. Ça! Mais la paire elle est jolie, hein. T'as vu? En plus, j'ai pris que des talons sautés, je me suis dit, vas-y, on va marcher. Ouais, genre j'allais marcher comme une tantine avec ça, putain, et... j'allais être trop speed, mais en fait, je peux que acheter white fit. Au revoir. Ah non! Mais dans tous les cas, ça allait jamais avec la tenue, hein. Si. Ça allait avec ma tenue. Ça allait avec ce que j'avais dans ma tête. J'espère, hein. La prochaine fois que je vais te voir dans la rue, tu seras bien comme Marie. Je vais toutes les couleurs comme tu sais de regarder. Oui. Je vais. Si je te vois pas avec la tenue complète, tu vas voir. Mais ça me va pas les chaussures. Oui, mais au moins ça. Je t'inquiète. La tenue next door. Voilà, c'est ça ma réponse à la tenue. Le pull j'aime bien, ça va, mais je l'ai rentré dans mon oiseau parce que il est trop long. Il est trop long et ça fait pas bien avec cette jupe. La jupe, elle aurait pu être bien, j'aimais bien, ça aurait pu être un e-style, mais en fait elle est trop droite. Elle me sert trop, genre. Moi aussi. Je suis pas assez à l'aise. En fait elle est mal taillée, tu vois. Ouais. Alors que d'habitude, Fashion Nova, ils font toujours des. Ouf. Ils font de la shape. Ouais. Alors que là c'est plus en mode. Tu mets ton tube et tu sors de chez toi. Ouais. Là, j'aime pas trop. Hein. Franchement, elle aurait pu être... Elle était destinée à être trop speed. Et puis... ouais. Je trouve que je vais peut-être la mettre. Ça dépend, peut-être qu'elle s'élargit. Je suis sûre qu'elle s'élargit. Ouais, donc, je pense que je la mettrai peut-être quand même. Mais il faut la porter avant qu'elle s'élargisse. C'est ça. Il faut rester chez soi une heure ou deux avant de sortir. Donc, voilà. Je mettrai pas les deux ensemble. Donc, franchement, on sort tout droit de Scooby-Doo. Là. Je ne comprends pas trop. C'est tellement en commun. Ah, Scooby-Doo. On te suit partout. Ah bon. Donc voilà, le sac il est mignon. Il a une jolie couleur. Donc voilà, moi j'enlèverai la lanière, je pense, parce que j'aime pas trop ce comportement. Ouais.
Moi, non, ça fait grave à 70. Non. Ouais, j'enlèverai la lanière parce que j'aime pas 80. Trop ce comportement. Je pense que je vais le porter en mode voilà quoi. Mais j'aime bien, ça va, je trouve que ça va avec le pull. Genre les couleurs elles sont complémentaires. Mais tu vois, tu m'avais dit que. Tais-toi, je te parle de la tenue en soi parce que de base tu m'as montré ça et ça en premier, the ghetto. Non. Et bref, donc. Ouais, c'est ça le problème, c'est trop long. Regardez-moi, on dirait un gros sac à main. En fait, normalement, faut montrer un peu du ventre, mais. Mais c'est ça. Moi, j'aime bien quand c'est court. De toute façon, moi, je vais rentrer chez moi, je vais le couper avec mon ciseau. Ça, c'est mort. Le ciseau avec quoi je coupe mes cheveux, mes jeans, mes pulls, tout. Donc là, il va être coupé et après, il sera bien. J'aime bien, il est mignon. Ouais, il est trop cute. Il est mime, c'est avec un petit col comme ça. C'est mignon. De papa. Ouais, donc voilà quoi. Sinon, j'aime bien. C'est juste la jupe qui me pose un petit souci. Mais elle est métable. Mais je mettrais ça avec un haut blanc, je pense. Hein, pour pas mais en dire trop. Bah, si, il faut un peu de peps. Hein. Non, je trouve les couleurs, elles vont pas ensemble. Encore, c'était des couleurs. Genre, ça, je trouve que le bleu, il est méchant. Genre, il est. Et même le vert, il est méchant. Ça va pas ensemble. Moi, j'aime pas. Toi, si tu veux mettre, tu vas mettre. Moi, j'ai dit, hein, si je la vois pas mettre, elle va voir. T'as intérêt à mettre ça quand on se capte. J'ai plein de vêtements, tu vois pas. Et pourquoi tu vas pas mettre celui-là? Je vais mettre celui-là. Voilà. Bon. Ouf. Mais la jupe, dans ce shopping, j'avais beaucoup de couleurs. Genre, j'avais trop envie de prendre voilà les couleurs, voilà les tchoum tchoum tchoum. Genre, c'était ça mon but de mon shopping. C'est ça que j'avais en tête quand j'ai fait mon shopping. Bah, ta tête, elle a mal fonctionné. Oh ça a bien fonctionné. Pour la suite. Voilà, prochaine tenue pour faire les années 70. C'est pour ça que j'ai ouais, pris. J'allais nous le prendre. En fait, il est. On dirait un jegging. C'est ça. C'est ça le problème. On dirait un jegging, mais on va essayer quand même pour voir un truc. En bas, c'est au bout de coton. Ouais. Donc, j'allais nous prendre, grâce à Dieu, bah, j'ai pas pris le même. Ouais, parce que je voulais faire un look 70 aussi. Et marron en plus. Hey ah on est même s'appelle. Hein. Ensuite, j'ai pris un truc de tonton, mais je l'aime trop. Ça, j'aime bien les habits de papa. Ouais, franchement, je l'aime trop. C'est mon entrée en commun dans la vie. Je l'aime vraiment trop. Donc, j'espère vraiment qu'il sera à ma taille. J'espère vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le pantalon, j'ai un peu peur de voir comment il va nous aller vu qu'il est matière, il est très il élastique. Ouais, ceux qui aiment bien les trucs élastiques, genre ça, c'est le bonheur pour vous. Ouais. Parce qu'il est grave, il est trench. Alors que moi, je. Ça a bien attrapé mon cul. Hein. C'est pour ça que je t'ai dit que j'étais déçue parce que. Ça attrape pas du cul. Non, ça attrape du cul quand même. Avec cette tenue, j'ai pris ce petit sac. Ah, tu vas prendre un sac Hermès? Ouais, c'est un Hermès, voilà. Birkin. Merci pour les bacon, c'est mon premier. Voilà. C'est vraiment super agréablement surprise. Voilà, j'ai pris un bikini. Je pensais pas que c'était la première qui allait m'acheter celui-là. Oui, t'inquiète. Je pense que c'est la dernière aussi qui va m'acheter. Bikini. Donc, oui. Voilà. Donc voilà. Un petit sac. En fait, c'est marron, c'est mignon. Ouais, je voulais absolument, clôturer le look. Et je voulais des grosses lunettes marron, mais j'ai pas trouvé. Et j'ai trouvé que celles qu'on a déjà. Moi j'en ai plein chez moi, c'est pour ça que j'en ai pas pris pour les tenues et tout. Donc, à l'essayage. Voilà la tenue camailleux marron. Toi t'as ouvert combien? J'ai fermé un, c'est bon, comme toi. Moi en fait j'en avais ouvert celui-là. Mm-hmm. Moi en fait je vais montrer le haut, le vrai haut. T'arrêtes de se passer. J'ai la poufiasse. Quand j'ai vu que t'avais ouvert trop de boutons, je me suis dit je vais rien lui dire. Je vais dire à tout le monde que c'est une joie. Trois boutons? T'as ouvert... Non, t'as ouvert un bouton. Ah, oui, mais en gros, j'ai fermé ma gueule. Shut up. Donc, le haut, j'aime beaucoup. C'est très mignon. Je vais le il mettre. Est trop, il y a un trop petit mignon. Col comme ça. J'aime beaucoup. Il descend comme ça. Ici, il avait été un peu plus court. Mais en fait, c'est moi qui suis trop petite. J'aime beaucoup. Le pantalon, par contre. Ouais. Il moule trop mon ventre. Mais moi aussi. Alors que moi, j'ai même pas en un gros ventre. Pas oui, mais j'ai même pas un gros ventre, mais je trouve que ça monte trop et que ça fait ouais. Comme si j'avais un ventre gros, genre. Non, ça va. Ah ouais. Mais en tout cas, moi, ça va pas du tout. Moi, j'ai l'impression que ça fait un gros ventre de baiser, mais j'ai un gros ventre, mais donc j'ai pas besoin de ça en fait. Ouais, j'aime pas trop qu'on voit mon ventre. J'aime pas non plus. C'est trop moulant, genre. Ah, parce qu'en fait, ça, on dirait un collant, ouais. En fait, si vous êtes trop bonne, allez-y. Ouais, si vous avez un ventre plat à mort avec un gros cuit. Ou même si votre ventre, genre, il est bien, il tient bien, même s'il est gros, mais il est comme ça, il est carré. Si c'est comme nous, genre, moi, en tout cas, moi, je trouve... Attends. Genre, ouais, j'ai capté. T'as capté, ça fait comme si j'avais un gros ventre, justement. Genre, on voit ouais. Un peu. Ouais. Mais même non, genre même quand il y a un tout petit peu on voit donc c'est trop moulant, moi j'ai apprécié à moitié les jeans de toute façon tout fin comme ça et comme je l'ai vu quand j'ai touché là j'ai vu comme si c'était jegging. Et moi aussi quand je l'ai reçu je voulais mouler. Ouais parce que c'est vraiment jegging la matière. Ouais c'est vraiment à l'ancienne j'aimais trop ce genre de pantalon mais déjà pas cette couleur déjà. Ouais. Pas en pâte def. En noir déjà. Ouais. Pour voir un truc. Non franchement ouais et pâte def bon. Mais vraiment c'est vraiment. Tiens ma jambe.
Voilà, donc ça c'est une patte d'eph comme ça. Et la longueur et tout ça va, mais trop non, grand. C'est trop grand, trop c'est grand. Trop long un peu. Ça va avec des chaussures, arrête, t'as des tongs. J'aime bien ce petit sac encore H, encore une fois, parce que nous on est dans la contrefaçon, c'est ce qu'on aime. À un moment donné, il est mignon. Ouais. Il est très mignon, j'aime bien la couleur, j'aime bien le bag quoi. En plus, il y a une petite texture que j'aime bien. Ouais, une petite texture comme pour ça. Pour faire comme si ça ouais, est, genre. Je sais pas comment ça comme plaisait. Comme si ça coûtait mais... pas cher. Mais franchement, le pantalon, ça qui me désole parce que j'aime bien la couleur, putain. J'aime pas ce comportement là de... Voilà quoi, donc mais sinon le haut, let's go. En plus il est épais, tout ça, ça va être carré ça en hiver. Des petites, en automne aussi, des petites tenues automnales, tout ça, chocolat. J'aime bien, donc voilà quoi. Voilà. Prochaine tenue. Quoi? Je ressemble à une maman. Non, trop mignonne. Tu vas ressembler à une ménagère des années 4... Non, 70? Non, 90. Je ressemble à une mère. Donc j'aime beaucoup le col, mais on verra ça plus tard. C'est une petite robe côtelée, balle de tennis. Non, pas balle de tennis. La couleur, si, c'est couleur balle de tennis. Ah, j'ai... non, ok. La couleur balle de tennis, on arrive tout de suite à l'essayage. Avec cette robe, elle m'a pris cette paire. Ça faisait vraiment un joli camaïeu. Cette paire de talons. Mon pied ne rentrera jamais dedans, malheureusement, parce qu'on m'appelle Bigfoot chez moi. Donc, c'est chaudet. Mais la paire est jolie. Si vous avez des maigres pieds, allez-y. Hein. Ils n'ont pas white feet, non? Non, ils n'ont pas. Si vous avez des maigres pieds, allez-y. Il y a beaucoup de petits talons de tantinette. Ouais, trop mims. Trop mims. Avec quoi vous pouvez marcher. Donc, mais, voilà. Mais c'est comme c'est si que... moi. La robe d'après. Voilà, la robe, voilà. C'est que. Une Est-ce petite qu'elle robe. Offre quoi? Non, rien. C'est une petite robe de ménagère. Attendez. J'aime beaucoup la couleur. Hein. Le col, il est comme ça. Ouais, mais en fait, je trouve qu'elle fait trop tantine. Cette longueur de manche, genre, c'est un cauchemar pour moi. Mais vraiment, je déteste la mi-longueur. Soit tu vas jusqu'à là, soit t'as un débardeur. Mais tu peux pas être une petite manchette. Genre, pour moi, c'est une dinguerie. Je déteste. Ah. Ah bon, c'est ta réponse. Sinon le col comme ça j'aime bien, c'est mignon, mais si seulement j'aime les manches le étaient. Sinon à part ça j'aime bien les côtelées. Ouais, j'ai la matière, elle est bien. Elle est en maille côtelée, ouais. La couleur elle est géniale. Moi elle m'arrive un peu plus que au-dessus des genoux. Ouais, pareil. Donc voilà quoi. À part ça, ça va, ça passe en fait, mais il faut juste que ce soit pas trop comme ça. Moi j'aime bien. Oh. Regarde le col, il est trop joli. Oui, mais les manches, je te parle des manches, arrête de faire semblant le col. Non, mais genre que ça fait comme ça, comme le col, ça. Genre le col carré comme ça. Et oui, mais les manches, elles sont pas comme. C'est... Moi, je te parle de ça, cette longueur-là. C'est-à-dire qu'après, faudrait... tu voudrais faire comme ça. C'est bizarre. T'es moi comment t'as mis. Elle se fout de ma gueule. Moi, je suis allée faire ça. C'est bizarre. J'aime pas de ouf, mais j'aime bien un peu, mais j'aime pas les manches, je te jure, c'est. Ouvert, comme tu dis, moi, je trouve ça bizarre. C'est une longueur patate. Bah, si tu veux, vas-y. Bah. Prochaine tenue, les gars. Ensuite, j'aime beaucoup la couleur. Franchement, là, c'est la couleur qui m'a fait prendre. J'aime beaucoup la couleur, mais sinon, j'attends de voir l'essayage. C'est... Par contre, c'est asymétrique, j'avais pas vu. Hmm? Ouais, le trou, il est asymétrique, j'avais pas ouais, vu. Ouais, c'est asymétrique. Avec ça, elle a pris un petit Birkin. Birkin, toujours, pour rester dans le thème du luxe. Voilà, en couleur lavande, lilas, je sais pas. Ouais, c'est une belle couleur lavande. Voilà, très 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 jolie. Et avec les chaussures qui vont avec, mais je sais pas pourquoi. Ça m'ira trop bien mon teint, ça. Je t'ai dit, frère. En fait, j'avais que la couleur dans la tête. Regarde. Et avec cette petite paire. Ça va pas du tout ensemble. Lavande, je savais pas. Ah, d'accord. Sur le site, c'était pas. C'est bleu. Ouais, je croyais que c'était lavande. Moi, j'avais marqué lavande. Oh. Ok. Et avec cette petite paire. Trop mignonne. J'aime trop. Elle est trop magnifique, talons sautés, c'est tout ce qu'il nous fallait. Peut-être que celle-là, elle va m'aller. Hein. Je vais essayer, moi aussi, mais je vais comme essayer. Si, après, en fait, je pense que ça va m'aller, mais je vais mourir sur la sangle. On verra. J'ai la rage. Fuck man. Fuck man. Bon, regardez. Donc, voilà. Franchement, j'aime beaucoup la couleur, hein. Même à la caméra, là, ce que tu vois, là, ce que tu aimes bien. Non, on dirait à la caméra, on dirait que c'est plus fluo, alors que nous, c'est pas fluo. Tu vois, c'est fuchsia bien, tu vois. Alors qu'à la caméra, on dirait que c'est fluo. Je trouve pas. C'est vrai, mais peut-être que on verra. Il y a une bonne longueur et tout, elle est au-dessus des genoux, mais
Mon problème, c'est le col. Franchement. En fait, il est tordu. En fait, j'avais pas vu qu'il était penché, mais en fait, il est asymétrique. Mais ça se voit pas. Il est asymétrique, bien. Ouais. En gros, s'il était comme ça, ça allait grailler un bail, tu vois. Là, comme ça, ça allait faire un truc ou tout droit. Voilà, soit droit, soit penché. Genre, là, il est pas assez penché. On dirait que c'est juste raté. Genre. Voilà, on dirait juste qu'il était droit, mais que je l'ai mal mis, genre. Ouais, et même ça, j'aime pas ça, là. J'aime bien soit que ce soit vraiment bien là, soit bien. Voilà, j'aime bien ras du cou. Là, il fallait vraiment que ce soit ras du cou, ou même qu'on fasse monter le col un peu. Mais genre pas comme ça, je sais pas. Mais c'est métable. Hein. Franchement, pour aller à un petit resto le soir entre amis, franchement, ouais. Ça passe bien. Je vais la mettre quand même parce que ça me fait un cul d'enfer. Franchement, franchement, ça me fait des bonnes culs. Donc je pense que je vais la mettre. Et j'aime bien la couleur. Juste ça, ça me saoule. Mais une petite écharpe, non, je rigole. Mais vas-y, ça va passer. Je pense que ça va passer. J'aime bien. Ouais, franchement, en fait, j'aime trop la couleur. Donc, du coup, le truc du col, ça va pas m'empêcher de la mettre. Mais ça m'énerve quand même. Ça nous va trop bien au teint. C'est... Ouais, parce que, genre, franchement. C'est époustouflant, quoi. Ouais. Ouh. Ah bon. Oh my god. Vu que c'est un sac Hermès. Moi je laisse ouvert comme les poufias qui ont des sacs Hermès, en fait je fais la mer. Moi je laisse fermer parce que de toute façon c'est pas un vrai. Donc bah franchement j'aime bien, il est mignon. Franchement on va se faire vanner en son message, je crois. Non, non je pense pas. Tu vois comme ils savent que... En fait tout le monde a des petits défauts H. Donc du coup comme tout le monde sait que ça, on ça peut pas être le H-word. Ouais, tout le monde sait que ça peut pas être un vrai de toute façon, bah c'est bon. Bah franchement, en plus j'aime bien la couleur, il est mignon, après tout, à un moment donné, vu que personne va... Moi c'est pas comme les faux pays ça fait chauffer. Ouais, une tenue moins chère. T'as pas honte de dire ça, de ma tenue? Bah c'est bien, wesh. Il y aura tous les liens en barre d'infos, tous les in the description box down below. Voilà, toutes nos tenues viennent de chez Fashion Nova, s'il vous plaît, dites-nous en commentaire c'était quoi votre tenue préférée. Ouais. Et voilà quoi. Et regardez comment on est trop stylé. Avec de la vache. Moi, on voit plus parce que je suis trop petit. Donc, voilà quoi. On espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas encore une fois à nous dire en commentaire. Et voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à notre chaîne The Broke Girls avec un Z. Merci d'avoir regardé la vidéo.